petit peu... Merci Hugo. Le prochain, c'est un petit peu particulier. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ici qui se dit que c'est son tour. Et en fait, il y a une surprise. Ce soir, en fait, on avait annoncé quelqu'un qui s'appelait Louis Bonnour. Alors vous, ça vous fait une belle jambe parce que vous le connaissiez pas. Il est pas venu. Donc, honte à lui sur des générations. Peut-être que vous le reverrez. À ce moment-là, vous pourrez lui jeter des trucs, prenez des tomates. Il devait avoir un aquaponais ou un truc comme ça, je sais pas. Et donc là, quand vous êtes dessus, normalement, vous faites « Oh, donc Louis n'est pas venu oh. !» Mais en fait, ce qui va se passer maintenant est encore mieux prévu. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. Parce que Cécile qui est venue aujourd'hui, elle est venue avec son amoureux. Et son amoureux, il fait de la scène. Et Cécile, elle va faire son premier passage et elle pensait le faire tout de suite là maintenant. Et en fait, c'est son amoureux qui va monter maintenant sur scène. Il s'appelle Maddox. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Maddox. Bonsoir Lorient, ça va? Ouais! Lorient, ça va? Ouais! Ah putain, ça fait plaisir de jouer à domicile. Ça va faire bientôt 2 ans que je fais de la scène et c'est la première fois que je viens jouer ici. Moi je suis originaire de la Nester, maintenant j'habite à Nantes et je suis vraiment très content pour fêter ces 2 ans et surtout pour soutenir ma copine Cécile, voilà, de venir jouer avec vous. Il y a une super ambiance. Ouais! Alors, j'ai pas trop l'habitude de jouer avec des micros. Déjà, vous savez pourquoi est-ce que souvent sur la scène, ben, voilà, j'étais en train de commencer Culture Stand-Up. Vous savez pourquoi souvent on joue avec des micros? Alors, c'est presque ça. C'est parce qu'en fait, on est dans un milieu artistique. Et pour réussir, faut sucer. Donc, autant vite s'habituer à tenir des manches. Pour ma part, j'ai passé l'après-midi avec mon producteur. J'ai déjà mal à la mâchoire. Alors, sans transition, puisqu'on parle de... Puisqu'on parle de sucer, est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont en boîte? C'est un spectacle interactif, hein. Quand je pose une question, vous avez le droit de répondre. Je peux faire les questions-réponses, ça va vite être chiant. Non, pas toi, t'as déjà pris ta dose. Toi, t'as une tête à aller en boîte. Tu vas en boîte? Ça m'arrive, ouais. Ça t'arrive, ouais. T'y vas volontairement ou... Non, de force. De force, ouais, on est bien d'accord. Hein. Parce que la boîte, faut quand même, pour s'y amuser, faut soit être riche, soit être complètement con. Non, parce que j'ai envie de dire, d'où c'est fun de devoir pratiquement vendre un rein pour se payer un demi de Cronenbourg. Alors, il y en a qui me diront, ouais, mais on va en boîte pour pécho. Non, 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 mon gars. La boîte, c'est comme la criée sur le port. T'es serré comme une sardine, et si tu veux pécho, t'as surtout la chance si tu chopes pas une morue ou un macro. Mais s'il y a bien un truc que je déteste particulièrement en boîte, c'est les bastons. Et s'il y a bien un truc que je déteste encore plus en boîte que les bastons, c'est les bastons. Où je suis impliqué. Ah, enfin, minimum. Hein. Alors ça va, je regarde, ça fait des années que je regarde beaucoup de films d'arts martiaux, et forcément avec le temps j'ai fini par y apprendre 2-3 bricoles. Notamment une technique de survie qui consiste simplement à ne jamais, et je dis bien jamais, chercher la merde à un asiatique. À un noir, à un blanc, ce que vous voulez, tant que vous savez vous battre, vous vous démerdez, mais jamais un asiatique. Dans tous les films que j'ai regardés, que ce soit le riche homme d'affaires de Shanghai ou le pécor dans sa rizière, ils font tous du kung-fu, les mecs. Ça s'inspire forcément de faits réels. Ah, là-bas, si à 5 ans t'as pas de ceinture noire, t'as raté ta vie. Hein, tu finis employé chez Apple, service ingénierie. Enfin, tu fabriques l'iPhone, quoi. Et pour vous dire à quel point, pour eux, devenir maître de kung-fu, c'est de la rigolade, l'un des plus grands centres de formation, c'est l'école du cirque de Pékin. L'école du cirque. Va t'inscrire en école du cirque en France, tu vas voir ce que tu vas apprendre. Hein. À faire du vélo sur une roue sans guidon, hein, à faire tourner des assiettes au bout d'une baguette, ou faire de la balançoire suspendue par les bras. Les mecs, ils pigent zéro concept. Alors forcément, à côté des Chinois, on passe pour quoi? De vrais clowns. Bon, pour en revenir à cette fameuse technique, elle a beau être aussi simple qu'efficace, pourtant la dernière fois, j'ai déconné. Pour ma défense, j'étais bourré. Non, c'est pas ça. Enfin, si, j'étais bourré. Mais surtout, c'était pour en venir en aide à un copain qui, justement, s'embrouillait avec un asiat. Le mec avait surpris un slow entre le décolleté de sa copine et la tête de mon pote. Ça lui a pas plu, hein. Ah, puis je peux vous dire, le mec, mon pote, là, ce petit salaud, on avait profité pour lui glisser quelques phalanges directement dans la... Hein, hein, dans la chevelure. Tu voulais foutre où, toi, tes doigts? Gros dégueulasse.
Alors, pris sur le fait, il a juré que c'était parfaitement accidentel. J'ai envie de dire, compte tenu du contexte, aucune raison de ne pas le croire. Et pourtant, Jet Li, il a commencé à se chauffer tout seul. Alors, pour le refroidir, mon pote lui a jeté sa bière au visage. Ça nous a bien fait marrer. Et Jackie Chan, lui, il a même pas ri jaune. Non, il a plutôt vu rouge. Ah, le sang lui montait d'un coup à la tête. Alors, forcément, vu que la bière lancée était encore enfermée dans sa bouteille. Mais alors qu'il aurait pu se contenter de cette double humiliation, hein, comme n'importe qui, Bruce Lee, il a préféré péter un câble. Bah, il nous a regardé puis il fait... Ah, mes souhaits. Ah, puis en plus, en ce moment, avec le coronavirus... Un petit aparté, d'ailleurs, c'est bien, cette maladie. Parce que franchement, avec tous les morts qu'il y a, c'est les gens en attente de greffe qui vont être contents. Ça fait des donneurs supplémentaires. Alors par contre, c'est du made in China, hein, va falloir s'en contenter. Voilà, fin de la parenthèse. Donc Bruce Lee a pété un câble, il nous a fait son petit cri, et j'ai envie de dire qu'un mec qui éternue avant de rentrer dans une baston, bah, il ne fait pas peur. C'est pour ça que j'ai pas hésité à m'interposer. Et là, dans ma tête, ça donnait un truc comme ça. Allez, vas-y Maddox, celui-ci, il est pour toi. Rappelle-toi des techniques aériennes d'Antigré Dragon. Et souviens-toi des enseignements de Maître Hitman. Est-ce qu'il a fui devant Mike Tyson dans le troisième film? Non. Non, puis vous avez vu la dégaine du gars? 1m50, longiligne, en tenue noire moulante. Un maquis. À l'omelette, en plus. Non, j'ai beau y réfléchir deux fois, tu ne peux pas perdre ta baston contre un maquis à l'omelette. Et c'est au moment où je prenais la confiance que le gars s'est dit qu'il fallait qu'il se rachète une crédibilité. Il s'est approché de moi et il m'a fait un enchaînement genou coup de poing, enchaînement qui a terminé par un violent coup de pied retourné. Et j'ai rien pu faire. Ah non, quand tu vois un mec bourré faire un enchaînement dans le vide, tu le laisses. Hein. Bon, ceci dit, ça m'a quand même mis en alerte. C'est pour ça qu'au moment où il s'est jeté sur mon ami qu'il a commencé à le tabasser, moi j'étais au taquet. Je me suis approché d'un coup par derrière comme une petite pute là et BAM! Je l'ai aidé à tabasser mon pote. Ouais, ça va. De toute façon, rien ne dit que j'aurais battu le gars. Tu vois, c'est un peu ça le problème. Alors pas moi, hein. Il n'y a qu'à voir mon style pour voir que j'ai une allure de combattant, de gladiateur. Hein. T'es d'accord avec moi? Je te remercie. Non, le problème, c'est les Asiatiques. Avec eux, c'est toujours quitte ou double. Impossible de connaître leur véritable potentiel vu qu'ils sont bridés. Je vous remercie. Je me sens moins seul avec cette blague raciste. Oh, attention, le racisme anti-jaune, ça n'existe pas, hein, on est d'accord? Ben bref, cessons les clichés et revenons à nos nippons. En dehors des films, j'aime bien les arts martiaux de manière générale, hein, en particulier les arts martiaux japonais. Hein, comme par exemple la discipline des super gros, vous la connaissez, hein, les poids lourds 44 tonnes. Le Qu'est-ce que vous comprenez pas dans cessons les clichés? Tu vas prendre toi, tu vas sortir, tu vas chercher un dictionnaire, tu vas chercher le mot cliché. Non, t'inquiète. Non, je parlais du judo. Ah, il n'y a que des gros pour pratiquer le judo. D'ailleurs, c'est simple. Je vous mets au défi, sans l'aide de Google, de me citer un seul judoka connu de tous qui fait moins de 90 kilos. Ah, il n'y a plus personne là. Hein. Ah, c'est comme un politicien intègre. Hein. Il paraît que ça existe, mais on n'en a encore jamais vu. Le judo. Le judo, c'est un sport formidable. Je me souviens quand j'ai voulu m'y mettre à... D'ailleurs, mon père ici présent pour en témoigner. On est allé faire une inscription pendant un cours, histoire que je vois ça de plus près. Et effectivement, j'ai vu que j'allais mourir. En écoutant que ma couardise, j'ai pris ma lâcheté à deux mains. Et je suis allé me renseigner sur ce qu'ils avaient d'autre comme discipline, hein, de préférence pour les moins de 100 kilos. À ce moment-là, le prof m'a expliqué les règles du sudoku. Vous connaissez un peu le sudoku? Une discipline fantastique où il faut remplir des grilles de 9 par 9 divisées en 9 secteurs de 9 cases avec des chiffres de 1 à 9 sans qu'il y ait deux fois le même chiffre dans la même colonne et le même secteur. Ah ouais, c'est plus comme consigne. Hein. Mais bon, vu que j'étais parti pour le moins violent, j'ai donc commencé le judo. Ouais. Et finalement, c'était pas un si mauvais choix. Non, mais il m'est arrivé des trucs cool au judo. Par exemple, j'ai roulé ma première pelle au tatami du fond à gauche. Ouais, ça, c'est la première chose que tu apprends quand tu commences le judo, à respecter le sol. À l'aimer et même à l'embrasser. Quand je pense qu'il y en a qui sont encore convaincus qu'on fait des saluts, bande de naïfs.
Évidemment que non. Bon, j'ai quand même fini par rompre avec le tatami. De toute façon, c'était qu'une relation de violence. Puis c'est toujours moi qui allais vers lui. Au moment, j'en avais marre. Et j'ai arrêté le judo également. Ça devenait n'importe quoi. D'ailleurs, vous verrez aux prochains Jeux Olympiques. Voilà. Les mecs passent leur temps à déshabiller leur adversaire avant de le balancer violemment au sol et de l'immobiliser en se jetant sur lui. Ah, toutes les féministes vous le diront. Sans appel, agression sexuelle banalisée, hashtag balance ton judoka. Bah, si t'en as la force, évidemment. Ou le courage. Parce qu'avec des mecs comme Teddy Riner, c'est pas le Bushido, le code moral samouraï qui s'applique. Non, non, lui, il a développé son propre code moral. Le Bushido. La violence. Sacré Teddy. Eh, hey, c'est quand même la fierté bretonne. D'accord. Alors, vous aussi, vous croyez à tort que Teddy Riner est antillais, c'est ça? Remarquez, lui aussi, il le croit. Hein. Non, 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 Teddy, il est forcément breton. Je veux dire, un noir dans un doggy blanc, si c'est pas une référence à nos couleurs. Et en plus, le mec, il t'aplatit ses adversaires comme des crêpes. Vous savez comment on l'appelle dans le milieu? La bigoudaine. Et bon, qui dit judo, dit aussi compétition. Donc moi, j'ai commencé en catégorie poids lourd. Hein, parce que je vous l'ai dit, de toute façon, les maigres qui pratiquent, ça n'existe pas. Et manque de peau, ils n'avaient pas la catégorie ossature lourde. Alors j'étais tellement stressé, tellement j'avais le trac là pour ma première compétition, je me restais en boucle les 8 piliers du code moral samouraï. Le Bushido, pas celui de Teddy. Et les 8 piliers sont les suivants. D'ailleurs, prenez des notes parce que je ne vais pas répéter. Politesse, modestie, courage, honneur, respect, sincérité, contrôle de soi, amitié. Et j'ai fini par littéralement me torcher avec. Non, parce que, bon, par politesse, je dirais pas que j'ai affronté des gros. Enfin, j'étais clairement une crevette dans le bassin à homard. Quand j'ai vu la gueule de mes adversaires, en toute modestie, je me suis dit, homard va me tuer. Mais alors que j'aurais quand même pu encore gagner cette compétition, c'est-à-dire avant qu'elle ne débute, mon courage a décidé d'appliquer la première technique universelle des arts martiaux. La fuite. L'enchaînement des défaites mirent à mal mon honneur de jeune mâle. Et en toute sincérité, quand t'es écrasé par une demi-tonne, si t'es pas champion d'apnée, fais pas comme moi. Abandonne avant la syncope. C'est à cause de ça, j'ai un peu l'esprit embrouillé sur ce qui s'est passé. Paraîtrait que j'aurais chialé. Ah, c'est des conneries, ça. J'ai chialé qu'une seule fois dans ma vie, et c'était à la mort de mon ami Jack. Jack Dawson, dans Titanic. Non, ne me jugez pas. Jack, c'était un héros. Un vrai. Big... Ah ben, big down, mon Jacko. Enfin bon, admettons, si j'ai chialé, dans ce cas-là, on peut le dire, niveau contrôle de soi, zéro. Et c'est en revenant à l'entraînement la semaine suivante que j'ai appris le véritable sens du mot amitié. Je me suis fait bizuter méchamment par tout le monde. Alors ça va, le prof a très vite réagi, hein, il n'est pas resté sans rien faire. C'est lui qui leur donnait les nouvelles idées pour me pourrir. Et les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que je n'ai cité que 7 piliers dans mon récit. Apparemment non. Bah, je vous avais dit de prendre des notes. Hein. Enfin c'est normal, car avec les années j'ai quand même fini par rencontrer des adversaires tenant plus de la cigarette que du cigare, et c'est tout de suite devenu plus facile de fumer ces petits connards pour briguer la première place. Le respect est mort, vive le respect.